Grand toi, ne baisse pas les bras. La victoire au bout de la bataille n'emmenait rien sans sa foi. Dans ce monde sans foi ni loi, une mélodie d'espoir pour ceux qui mènent le bon combat. Mais pourquoi vous vous dérangez tant que je marche avec Dieu? Mais qui peut me stopper? Ce bison va le réanimer à coups de rimes et de prose, Molan est inspiré. Real soldier, real hustler, we gotta do, we only pay a do pour faire ce qu'on a do. Soldier, real hustler, we got it too, we only pray à tout pour faire ce qu'on a tout. Ok, ok, ça vient des bas fonds et ça vise le sommet. Le son s'y sent bon, hein. Mais là je te promets, I wanna be somebody, somebody in this life, nigga. I wanna be somebody, somebody in this life, yeah. Je me battrai toujours pour job à la sueur de mon front. Le combat continue, droit au but, on va péter le score. Real soldier, real hustler, we got it all, we only pay à tout pour faire ce qu'on a tout. Sonita. Sonita. Je t'écoute. Est-ce que tu pourrais t'investir un instant et te concentrer à nous? Je croyais qu'on pouvait passer du temps sans embrouille. C'est vrai, ma chérie. Tu sais, je suis tellement amoureux de toi. Ça fait 2 mois que nous sommes ensemble. Tu n'as jamais cherché à savoir où je dors. Il faut que je demande à ma mère. Attends, c'est ta mère qui te propose d'aller voir ton homme? Tu veux y me doter? Ce ne sera pas facile. Mon père ne vit plus. Mes oncles, je ne les connais pas tous. De toutes les façons, si tu veux vraiment m'épouser, il faut voir ma mère. Mais à quoi rime tout ça? Ma mère, elle est le centre de tout. Mais Michel, c'est toi que je suis venu chercher? Arrête de mentir, Roger. Depuis quand tu viens me chercher à mon retour du travail? Ma collègue est encore là, donc tu peux aller la retrouver. Mais chérie, arrête de ramener cette histoire sur la table. Je te croyais mature, Roger. Mais depuis ce matin, tu m'as déçu. À cause de toi, mes collègues me regardent de haut. Au cas où tu l'auras oublié, ta formation finissait dans quelques jours. Et je voyais cette fille pour prendre des renseignements pour que mes collègues se joignent à moi pour te faire une surprise. Voilà que ça en est plus. Mais... il fallait m'en parler depuis, chérie. Ah, pour tuer l'effet de surprise? Et maintenant que je suis au courant, ça va se passer pour moi. Oh, ça va, j'ai encore mon petit secret. Allons-y, je vais t'expliquer en haut. Ta sœur, Justine. Maman, pardon. Les choses de ton enfant me dépassent. Elles me dépassent. On parle de la chèvre là. Tu sors d'où, Sunita? J'étais avec Eric, maman. Eric? Eric, c'est qui? Eric, non, maman. Le gars que tu avais chassé au café est interdit de rôder autour d'elle. Sunita, donc tu refuses d'aller à Roud m'aider pour aller passer toute une journée avec un voyou. Sunita, c'est la maison de qui ici? Chez nous, maman. C'est la maison de qui? Écoute-moi très bien, madame. Si tu sens que tu es très grande et que tu peux prendre des décisions, s'il te plaît, libère ma maison. Le travail qui nous donne à manger et nous donne un toit, tu pisses dessus. Mince. Je n'ai jamais vu un enfant aussi bête comme toi. Si le gars la tenait à toi, c'est qu'il est déjà venu me voir ici pour t'épouser. Justement, maman, il veut te voir. Et ferme ton clapet avant que je t'aide à le faire. Chèvre.
j'entends encore parler d'un garçon dans la maison-ci, tu mourras. J'étais en route, j'attendais la bonne dame. C'est la petite Marie, est-ce que je suis pas rentrée aujourd'hui? Elle est contente quand elle parle. Elle va à la cuisine, mais je suis contente, la idiote. Oh non. J'ai mal à la tête du monde. Bonjour, tante. S'il te plaît, je ne veux pas les problèmes aujourd'hui. Je pars au cours. Ouais, maman, je te comprends. Je ne viens pas pour des problèmes. Je viens dans la paix. Comment va ta maman? Elle parle encore pour dire si elle va bien ou pas. Je te comprends. Tu es en colère. Mais dis-moi un peu. J'ai constaté que vous n'êtes plus à la maison. Vous avez déménagé. Vous êtes où maintenant, là? Je ne réponds pas aux questions de ma mère. Je suis presque en retard au cours. Bonne journée, tante. Regardez-moi l'enfant que j'ai changé les couches. Projet se lève, elle ose me parler avec un manque de respect. Non, chapeau. Votre mère a réussi à vous retourner contre nous. Mais ça ne peut même pas se passer comme ça, la sorcière là. Vous allez vous parler. Sunita, mets-moi la bouteille là. Bonjour maman Choco. Bonjour ma fille. C'est comment? On t'a pas encore servi? Depuis que j'ai mangé, j'attends ma monnaie. On ne me rembourse pas. Sunita, ouais. Tu n'as pas remboursé la cliente pourquoi? Maman, il n'y a pas encore de monnaie. J'ai demandé qu'elle attende qu'un client va venir à la monnaie, je lui donne. Et en ce temps, tu as en train de faire quoi? Maman, Eric m'a aidé à avoir plus de followers sur TikTok. C'est maintenant le moment pour moi d'être plus actif. Je dois poster constamment. Hein. Ah, ferme ta bouche! Pour Eric! TikTok, c'est quoi? C'est comme ça que tu me chasses les clients. Maman, il faut la chasser, il faut la chasser. Comment? Depuis là, les clients viennent ici, ils partent. Va me chercher à monnaie. Va me chercher à monnaie pour TikTok, là. C'est comme ça que tu me chasses les clients ici. Bêtise. Va chercher à monnaie, là, sauvage. Une fille bête comme ça, je ne comprends pas. C'est elle qui te chasse les clients ici. N'est-ce pas, mamie? Elle est que sur le téléphone. C'est comme quel genre de. Et en même temps, toi-même, tu faisais quoi? Je faisais que l'attendre normal. Il fallait que je regarde moi seulement. L'enfant, c'est bête. Bête d'une façon que je ne comprends pas. Trop bête. Je suis sûre qu'elle m'a bien chassé les clients aujourd'hui. Trop même. Merci. Allô? Bonjour chérie, comment tu vas? Bien dormi? J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je préfère qu'on se retrouve dans notre restaurant habituel pour en parler après ton boulot. Maman Choco, je te dis pas, j'ai découvert des choses pour toi. Eh oui, à tout à l'heure, ça marche. Maman Choco, tu ne sais pas quelque chose. Je vais te tuner. Je vais te transformer. Ça va très bien et toi? Oui, je suis déjà au café. Ah. Merci beaucoup, merci. Attends, je te rappelle. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pensais que tu allais te débarrasser de nous. Ça ne se passe pas comme ça. Michel, c'est tôt le matin. Quitte devant mon café. Écoute, si tu es poli, je ne serai pas très long. J'ai constaté que tu as déménagé de la maison et tu l'as mise en location sans toutefois nous informer.
Ma chérie, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit en ce qui concerne ma maison et ce que je fais avec. C'est là où tu te fous le doigt dans l'œil. Oui, je te dis ça. C'est là où tu te fous le doigt dans l'œil. Je te rappelle que cette maison appartenait à notre frère et que nous sommes ses sœurs. Moi, sa femme, la mère de ses enfants. De quel enfant parles-tu? Des batailles que tu as remplies dans la maison de mon frère. Qui de ces enfants nous ressemble? Surtout celle de Justine là. De toute façon, elle est noire. Je ne sais même pas là où tu es allé chercher son père. Tu me parles d'enfant. Michel, c'est pas encore arrivé là-bas. Hein? Je dis, mais c'est pas encore arrivé là-bas. N'importe quoi là. Qui demande mon café? Je veux le rapport sur l'argent du loyer que tu perçois. J'ai besoin de ma quote-part. Ma chérie, c'est bien d'avoir essayé. Hein? Mais tu n'auras rien. Si tu veux aussi bénéficier d'un bien d'un homme, trouve-toi un mari. Épouse-le. Fais-lui des enfants. Et après, tue-le. Tu hérites de ses biens comme tu dis que je l'ai fait. Tu comprends? N'importe quoi. Dégage d'ici. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tant que je... Hey, fiche-moi la paix. Il faut vendre l'eau glacée, tu as compris? Bordel de ton état. N'importe quoi. Chaque fois, mon frère. Il fallait l'épouser. Je suis sa femme et je reste sa femme. Nalmi. Mais c'est quel problème ça là? Chaque fois, les biens de mon frère. Personne de vous ne pourra avoir ne serait-ce même 5 francs. N'importe quoi. Allez vous marier. Ah! Notre crime gangambo. Vamos à la playa. On s'amuse et la panouille tous dans le move. Vamos à la playa. Hey girl, hey boy, venez avec nous. Vamos à la playa. On va vous mettre bien pour ça, y'a pas de doute. Vamos à la playa. Hey, hey, vamos à la playa. On s'amuse et la panne, oui, tous dans le mood. Vamos à la playa. Hey girl, hey boys, venez avec nous. Vamos à la playa. On va vous mettre bien pour ça, y'a pas de...